Parlons football. À cette heure, s'il devait y avoir un nouveau ballon d'or qui doit être distribué, ce serait malheureusement pas Benzema. Il faut être clair. Ce serait Kylian Mbappé à cette heure-ci. Il lui manque une victoire en Ligue des Champions pour pouvoir prétendre au ballon d'or. Parce que le principe du ballon d'or, c'est quelles que soient les compétitions les plus prestigieuses, vous avez réussi à atteindre un niveau acceptable. Le problème de Kylian Mbappé, c'est que si il a une très bonne performance au niveau du football quand il est au PSG, on ne sait pas ce qu'il vaut dans une autre équipe, à part l'équipe de France. Hein. Pour être clair, Kylian Mbappé, si il a un très 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 bon niveau avec le PSG et avec l'équipe de France, comme on ne sait pas s'il s'adapte aux autres équipes, on ne sait pas si réellement il est un bon footballeur qui mérite le ballon d'or. L'avantage de Benzema, c'est que le nombre d'équipes qu'il a faites est tellement grand, tellement divers, et peu importe l'équipe dans laquelle il a été, il est performant. Donc Kylian Mbappé, il ne pourra envisager un ballon d'or un jour que si il joue dans une autre équipe que le PSG. Si ça ne lui est jamais arrivé, on ne va pas arriver en disant Mbappé, ballon d'or, ok, il est très fort, ok, il est champion du monde. Ok, il est certainement l'un des meilleurs buteurs du PSG et de l'équipe de France, mais les autres équipes du monde, il ne sait pas ce que c'est. D'accord? Jouer dans un autre pays que la France, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a aucune idée de ce que c'est le championnat espagnol, aucune idée de ce qu'est le championnat anglais, aucune idée de ce qu'est le championnat allemand, aucune idée de ce qu'est le championnat italien. Et donc, pour l'instant, c'est le truc qui fait qu'on ne peut même pas le mettre en lice. Ça veut dire, et ça je lui ai dit, la seule chose qui t'empêche aujourd'hui de briguer un ballon d'or un jour, c'est le fait que tu passes ton temps au PSG. S'il avait joué au Real de Madrid, là, cette saison, les gens seraient déjà en train de se demander est-ce qu'il n'est pas alors préférable qu'il ait le ballon d'or. S'il avait joué, peu importe, je sais pas, Manchester United, les gens se poseraient la question. S'il avait vu autre chose que le championnat français, hein, et l'équipe de France. Or, malheureusement, à cette heure-ci, ce n'est pas arrivé. Et je pense que toute une carrière au PSG, c'est un frein malgré tout. Voilà. C'est dommage, hein? Parce que ça, bon, presque, presque, il le mériterait.